Et oui, les gars, qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't. Aujourd'hui, du coup, ce sera une vidéo tuto gymnastique. Je vais vous montrer comment faire un salto arrière sur place. Du coup, je vais vous donner mes petits tips, mes petits conseils pour réussir à faire un salto arrière. Donc c'est parti pour le tuto. Tout d'abord, pour commencer à essayer de faire un salto arrière, il faut déjà savoir faire une roulade arrière simple. Vous allez essayer de la sauter de plus en plus et ensuite de faire ce mouvement, un espèce de saut groupé. Pour continuer, un flip vous aidera sûrement à essayer de vous envoyer et ensuite il faut essayer de faire le salto arrière. Tant pis si vous vous gamellez comme moi, c'est comme ça qu'on apprend. Pour prendre confiance, vous pouvez demander à quelqu'un de vous tenir, c'est super simple. Et ensuite, vous allez essayer de partir d'une hauteur, donc ici c'était une poutre, et de faire le salto arrière. Plus vous partez haut, plus ça vous aidera. Donc ici, on voit le mouvement. Je tire un petit peu la tête, je pars un petit peu trop en flip sur cette vidéo. Vous devez essayer de justement être dur et de ne pas tirer la tête, sinon ça ne fonctionnera pas, vous n'aurez pas de hauteur. Pour éviter de tirer la tête, vous pouvez utiliser quelque chose à mettre entre votre menton et votre torse, dans le cou. Et vous devez rester comme ça quand vous faites votre salto arrière. S'il part, ça veut dire que vous tirez la tête. S'il reste le plus longtemps possible, ça veut dire que vous avez la bonne position. Et ensuite, je me mets sur ma terrasse pour essayer d'être plus basse. Comme je vous ai dit, il faut descendre de plus en plus. Il faut vraiment baisser la hauteur pour essayer de vous rapprocher le plus de la réalité, c'est-à-dire du sol. Ici, vous voyez que j'utilise ma terrasse, donc comme quoi on peut utiliser vraiment les moyens du bord. Et ensuite, je descends encore. Donc là, je me mets du rebord de mon tumbling qui rebondit légèrement pour m'aider. Et pour finir, vous devez réessayer de le faire sur quelque chose qui rebondit légèrement si possible. Ici, je l'enchaîne de certaines figures de gym pour essayer d'avoir plus de vitesse. Et ensuite, il faut essayer de faire la même chose sur quelque chose de fin. Donc ici, c'est un tapis qui ne rebondit pas du tout. Et pour finir, vous devez essayer de le faire au sol. Ce tapis se rapproche le plus du sol. Ici, on voit la position au ralenti. Il faut vraiment essayer de prendre une énorme impulsion comme si vous aviez un sol qui rebondit, comme si ça pouvait vous aider à vous envoyer. Et ensuite, c'est vos jambes qui sont ramenées à votre corps, vous les accrochez avec vos mains et vous aurez la bonne position. Ici, je l'enchaîne d'un équilibre, d'une souplesse arrière, faites comme vous voulez, le tout c'est d'avoir de la hauteur et de la vitesse. Du coup, voilà les amis, cette vidéo est terminée, donc faites pas gaffe à mes cheveux là, ça a été une journée sportive, piscine et tout, du coup, ben, j'ai un peu la tête et les cheveux en vrac. Mais du coup, j'espère que maintenant vous saurez faire des saltos arrière au sol et de l'arrêt. Donc là vous avez vu que j'ai utilisé des tapis et tout. Mais franchement je me suis servi de ma terrasse, je me suis servi de du sol en lui-même. Donc servez-vous de ce que vous avez, des hauteurs que vous pouvez utiliser et tout. Servez-vous de ça, même d'un muret dehors où vous atterrissez dans l'herbe, proche de chez vous, vous pouvez faire ça. Moi je sais que j'ai déjà fait et c'est tout aussi bien. Restez quand même avec un adulte cas où vous avez un problème et faites attention, surtout échauffez-vous bien avant de faire ce genre de choses, surtout si vous l'avez jamais fait. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao.